Et c'est le dernier. Alors, la frontière, vous le savez, c'est aussi une preuve de conquête et une symbolique de pouvoir, à l'image de ce que nous vivons en ce moment même, hein, dans l'espace de l'ex-Union soviétique, la reconquête des nouvelles frontières pose la question de la souveraineté et du politique sur un territoire donné. Et pourtant, si la frontière donne à voir l'espace du droit opéré et façonné par un État-nation, l'enjeu migratoire qui bouscule nos sociétés occidentales depuis maintenant plusieurs dizaines d'années pose son corollaire, la frontière du non-droit et de l'hospitalité. Pour en parler, je vous propose d'accueillir Estelle Daluin, maître de conférence en sociologie à Nantes Université, et Yves Pascoe, spécialiste des questions migratoires et chercheur associé senior à l'Institut Jacques Delors. Bonjour. Comment ça va? Installez-vous. On est bien, on est en famille. Il y a plein de gens qui nous regardent sur YouTube. Bonsoir à tous. Bienvenue. Comme vous le savez, hein, à la fin, c'est plus moi qui travaille, c'est vous. Et vous pouvez, bien entendu, encore poser vos questions sur le live de YouTube. On compte sur vous. Même pendant le débat, j'irai piocher, n'hésitez pas. Yves, si vous le permettez, on va commencer par vous. Mais qu'est-ce qu'on entend par frontière et où sont les frontières ? Bien, ce qu'on entend par frontière, on peut avoir une définition assez simple, qui est la définition plutôt géopolitique, hein, d'une ligne ou d'une ligne qui sépare deux entités et deux États. Ensuite, la frontière, elle peut être totalement différente en fonction du point où on se situe. Il peut y avoir des frontières donc politiques, géopolitiques, mais ensuite des frontières mentales, physiques, psychologiques. Local, régional, en fait, il y a toute une foultitude en fait de frontières. Mais alors là, on va se focaliser sur les frontières géopolitiques, puisque l'idée, c'est qu'on va quand même justement analyser ce qui se passe sur ce qu'on appelle la crise migratoire, d'autres diront la crise de l'accueil, et ça pose des questions des frontières de l'hospitalité, mais on voit bien que la frontière aujourd'hui est devenue, elle a peut-être toujours été finalement, un objet qui est mouvant. On voit des gens aujourd'hui qui vivent dans les frontières, qui sont prisonniers des frontières. On pense notamment à ce qui s'est passé ces dernières semaines à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. On voit des gens qui sont coincés dans des hotspots, c'est-à-dire des camps de réfugiés en Grèce, en Turquie. Il y a malheureusement Ceuta et Melilla entre cette enclave espagnole au Maroc. Est-ce que la frontière est devenue une zone de non-droit ? Alors, je ne pense pas qu'elle soit devenue une zone de non-droit parce que le droit est là. En revanche, c'est devenu une zone où le droit n'est pas nécessairement respecté. Vous faisiez mention de la situation à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Il y a un certain nombre de journalistes qui ont pu entrer en contact avec des personnes qui étaient l'objet de l'espèce de jeu malsain auquel Loukachenko se donnait. Et ces personnes-là disent qu'elles ont été poussées depuis la Biélorussie vers la Pologne et refoulées par la Pologne. Dans ce cas de figure-là, il y a du droit qui s'applique. La Pologne n'a pas le droit de refouler les personnes. Est-ce que ce n'est pas une zone de non-droit parce qu'il y a théoriquement une règle de droit qui s'applique ? Maintenant, est-ce qu'elle sera véritablement appliquée? Ça, c'est la question. Et pour revenir sur ce que vous disiez, parce que je pense que c'est assez intéressant, en tous les cas, à l'époque contemporaine, il y a encore 20, 30 ans ou 40 ans, on vivait dans la logique des sans-frontières, avec des médecins sans-frontières, des reporters sans-frontières, Schengen, qui était véritablement ce projet où l'abolition des contrôles entre les États membres de l'Union européenne était un projet qui était encore très, très vivace. Et depuis quelque temps, notamment depuis 2015, on voit la réapparition, la réémergence de la frontière sur beaucoup d'aspects sur le terrain, en termes de droit, mais aussi dans les consciences et les idées. Là, donc cette résurgence de la frontière, on découvre aussi des frontières typiquement, Estelle Laluin, la Méditerranée, est devenue finalement une forme de frontière et la frontière la plus meurtrière au monde, par exemple. Oui, alors 40 000 morts estimés en 20 ans, sans doute sous-estimés. Donc, ces morts s'expliquent par les politiques de contrôle des flux migratoires qui ont pu se mettre en place progressivement aux frontières de l'espace Schengen, comme corollaire de l'abaissement des frontières internes à l'Union européenne.
Ces morts tragiques, elles ont lieu en Euroméditerranée, mais elles ont aussi lieu dans d'autres lieux. Parce qu'une des caractéristiques de ces frontières, c'est que les politiques inhospitalières, elles se déploient aussi dans des pratiques de la frontière qui vont au-delà de ces frontières terrestres qu'on a en tête sur les cartes. Et elles se déploient aujourd'hui dans des dispositifs qui sont de plus en plus externalisés hors de l'Europe, dans les pays de transit, dans des zones de passage, voire même dans les pays d'origine. Et par exemple, avec l'externalisation, par exemple, on a eu aussi des politiques de contrôle plus importantes dans les pays de transit qui conduisent à ce qu'on ait des morts dans le Sahara parce que des migrants ont été déportés. Estelle Lalou, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, il y a presque, quand on prend le point de vue européen, on a mis en place une forme d'extraterritorialité de nos frontières. Nos frontières, elles démarrent en Afrique subsaharienne, elles démarrent en Libye, elles démarrent en fait en Turquie quand on donne plusieurs milliards d'euros à Erdogan en fait, pour contenir ces flux. C'est ça que ça veut dire ? Ça veut dire que la frontière, finalement, qu'on peut avoir en tête, qui s'est construite géographiquement, à laquelle on pense spontanément, effectivement, elle n'est qu'une des facettes de ce qu'aujourd'hui on appelle les pratiques politiques de la frontière et qui ont lieu plus loin, plus en amont de nos territoires européens. Qu'est-ce que ça veut dire quand Estelle nous rappelait en fait ce chiffre de 40 000 morts en Méditerranée dans cette volonté de passer une frontière, quand les frontières deviennent meurtrières et que vous connaissez bien Yves Pascaux, l'espace européen, que finalement le dernier Européen qui porte ces valeurs, c'est le pape, qui, d'île en île, en fait, dit qu'il y a une forme de déchéance absolue des valeurs européennes à force de ne pas accueillir, et c'est même pas ne pas accueillir, c'est ne même pas sauver. Qu'est-ce que ça veut dire justement de notre gestion politique et de l'instrumentalisation des frontières ? La question, elle est peut-être pas sur la question de la frontière en tant que telle, parce qu'elle existe. Une frontière, ça a aussi beaucoup de vertus et de valeurs. Ça permet d'organiser les espaces, de définir les compétences, qui agit, etc. En fait, la question que pose le phénomène migratoire, c'est la question du franchissement de la frontière et de qui a le droit ou pas de la franchir. Alors, sur cette question-là, il y a plein d'êtres vivants qui peuvent franchir, des coccinelles, des oiseaux, des corbeaux, qui, eux, ne sont pas du tout intéressés par cette question-là, et d'ailleurs, ils sont bien moins intéressés que nous. Et en revanche, il y a des êtres humains qui, eux, sont autorisés ou pas à la franchir. Et en fait, par rapport à ce que disait Estelle, c'est la question de savoir comment, où est-ce qu'on met la frontière. Elle est physique lorsque je suis, moi, je vais de Paris à Bruxelles, par exemple, en voiture, et je suis contrôlé à la frontière entre l'espace français et belge lorsque les contrôles sont rétablis. Mais elle peut être aussi une frontière de papier ou intelligente lorsqu'on me demande, avant d'engager mon voyage, de produire un visa ou de demander un visa. Et ça, c'est déjà une frontière. Donc, la question qui se pose, elle est peut-être plus, à mon avis, sur la question de savoir quelle est la logique du franchissement de la frontière, qui la franchit, qui a le droit de la franchir et qui n'a pas le droit de la franchir. Mmh. Mais justement, ah mais alors là-dessus, Estelle Lalou, c'est ça qui est intéressant, c'est que là, vous êtes en train de nous poser finalement la frontière entre celui qui est un exilé, un migrant, et celui qui est un expatrié. Moi, c'est ce que je comprends dans ce que vous dites. Il y a des gens qui ont finalement une couleur de passeport qui leur permet d'avoir accès au monde entier, et d'autres qui seraient presque assignés à résidence. Mais celle-là, justement, est-ce qu'on peut avoir un portrait type de qui sont ces exilés et où ils sont aujourd'hui, et qui a le droit de franchir ces frontières ? Alors, un portrait type, ce serait caricatural, justement. Ce qui est important de voir, c'est qu'il y a effectivement une hiérarchie des droits à la mobilité. Mais plus généralement, parce que peut-être avant de rentrer dans qui a le droit de passer les frontières, ce qui est important de voir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne passent pas les frontières. C'est-à-dire que quand on regarde à l'échelle mondiale, il y a des puissants facteurs d'enracinement de l'être humain, son travail, ses proches, le fait d'être ancré dans un territoire fait que tout le monde ne va pas être aspirant à la mobilité, on peut le dire comme ça. D'autant plus quand on est dans une zone pacifiée, qu'on a ces ressources importantes. Donc c'est
un monde très sédentaire qu'on a. On a 3,4% d'après les estimations de l'Organisation internationale des migrations de personnes qui sont migrantes. Ça veut dire que l'essentiel des gens, ils sont sédentaires. Et ça n'a pas vraiment bougé, ces chiffres. Ben, ça a évolué depuis les années 80. Il y a quand même une augmentation régulière, constante. Il y a des facteurs qui sont les facteurs liés au développement des transports, leur démocratisation, des facteurs qui sont liés à la circulation intense de l'information, qui fait aussi qu'il y a plus d'informations disponibles et qui peuvent encourager à la mobilité. Il y a surtout les inégalités territoriales persistantes qui font que de la mobilité, il y en a à l'intérieur des territoires des États-nations, il y en a entre régions. Les migrations, elles sont aussi très polarisées dans une région, migration sud-sud, migration dans les pays de l'Union européenne, à l'intérieur des pays de l'Union européenne, c'est un bon exemple, hein. Et puis des migrations plus intercontinentales qui sont peut-être plus médiatisées, mais qui sont une des facettes de la migration. On a ces inégalités territoriales persistantes qui encouragent à des migrations de travail, par exemple. On a tous les facteurs géopolitiques qui encouragent à fuir. Mais beaucoup des personnes qui sont, par exemple, amenées à fuir un conflit, restent des déplacés internes aujourd'hui. Ce chiffre-là, il a explosé au tournant des années 2000 et il a dépassé le nombre de personnes qui réussissent à franchir la frontière et à obtenir un statut de réfugié qui est inscrit dans le droit international, qui s'est inscrit au XXe siècle avec la Convention de Genève de 1951, qui est un socle important de ce droit international. Donc, beaucoup de personnes restent finalement arrimées et pas par choix, toujours dans leur pays d'origine. D'autres passent et parfois le droit n'est pas toujours respecté, hein, comme on a pu le voir à la frontière biélorusse. Et on a finalement une proportion de migration que les États après vont classifier, qui nous permet quand même d'avoir un regard sur ces 3,4% de personnes qui sont migrants dans le monde. Donc il y aura des personnes qui vont avoir un titre de séjour pour travail, d'autres qui auront un titre de séjour parce qu'il y a un autre droit important, hein, qui est le droit au regroupement familial, que la plupart des démocraties ont entériné comme une valeur fondamentale. Des personnes qui vont être catégorisées comme justement demandeurs d'asile, qui attendent de savoir si un État leur donnera ou non le statut de réfugié. Et puis des personnes qui sont étudiantes aujourd'hui en mobilité internationale. C'est un peu les différents motifs de titre de séjour sur lesquels on peut après avoir un panorama. Mais ça correspond à un filtre aussi administratif, c'est-à-dire que dans la vie des personnes, les motifs peuvent être imbriqués aussi, et on peut dans sa vie aussi passer par différents statuts, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que ça veut dire justement, on se souvient de cette image en 2015, hein, on a parlé de vagues migratoires, de migrants économiques. Il y a aussi donc une forme d'instrumentalisation, hein, Yves Pascaud, politiquement, dans le moment qu'on traverse, où on nous parle de grands remplacements, de flux à tarir, de moratoires sur l'immigration. Qu'est-ce que ça dit aussi de ces catégorisations et de justement cette glissade peut-être entre... Voilà, on a parlé de crise migratoire, mais est-ce qu'on n'est pas juste dans une crise de l'accueil ? Je pense qu'on est incontestablement dans une situation où l'accueil questionne et questionne en profondeur les États européens et les décideurs. Je pense qu'il y a deux éléments. Il y a un premier élément qui est, dans l'organisation des sociétés modernes, on a des catégories juridiques auxquelles Stella a fait référence, qui identifient des personnes, grosso modo, entre ceux qui ont le droit de migrer et ceux qui n'ont pas le droit de migrer. Et ensuite, et qui sont des raisons assez complexes, hein, le droit des migrations, donc les catégories, c'est une matière technique, hein, je ne referai pas ce qu'a dit Étienne Klein tout à l'heure avec la technicité des choses. Le phénomène migratoire en tant que tel, c'est un phénomène qui est complexe,
qui est ancien, qui a des ressorts propres, mais le discours politique a tendance à hyper simplifier cette question-là, et notamment de dire grosso modo, depuis en 2015, il y a le bon réfugié, celui qu'on acceptera d'accueillir parce que il lui pleut des bombes sur la tête et que c'est pas bien, donc ce serait bien de l'accueillir, et il y a le mauvais entre guillemets migrant économique. Et la réalité, c'est que le migrant économique, ça veut tout dire et rien dire. En langage politique, ce sont tous les autres, et en langage juridique, le migrant économique, c'est l'ingénieur indien qui vient travailler dans une start-up à Nantes, c'est le médecin africain qui vient travailler au CHU de Nantes, c'est toute une série de personnes. En fait, le migrant économique tel qu'on nous l'a représenté dans le langage politique, c'est grosso modo l'Africain subsaharien qui vient de manière irrégulière en Europe et qui s'installe durablement pour à un moment donné être régularisé. Et c'est ça l'hypersimplification des choses. La réalité, c'est que le parcours migratoire est un parcours qui est mû par beaucoup de paramètres, qui est souvent, d'ailleurs, vous faisiez mention de chiffres. On nous abreuve de chiffres, cette matière-là, elle est chiffrée, statistifiée en permanence. Ça ne veut rien dire, en fait. Les chiffres qu'on nous met, je regardais encore il y a quelque temps un débat sur la migration entre deux décideurs politiques, c'est à n'y rien comprendre, parce qu'on y va à coup de 100 000, de 200 000, de 250 000. Mais non, ce n'est pas vrai, parce que le chiffre que vous prenez, c'est un chiffre de l'OIM, alors que là, il y a un chiffre du HCR. En fait, le citoyen est paumé dans les chiffres, et on oublie tout simplement que la question migratoire est aussi et avant tout une question individuelle ou une question de cellule familiale. Et donc, à force de massifier, de chiffrer, de statistifier ce phénomène, on en perd la réalité de ce que la migration, c'est un choix souvent personnel ou très familial, de se rendre dans un autre endroit, généralement pour y vivre mieux et pour faire en sorte que sa famille ou ses proches vivent mieux aussi du fait de ce parcours-là. Mais là-dessus, et donc je reprends le fil de ma question, si ce sont des trajectoires individuelles, si on est face à des moments aussi, il y a une dimension singulière en fait dans justement le fait de vouloir passer une frontière, de vouloir aller vivre ailleurs, etc. Cette essentialisation, le fait qu'on parle justement de migrants, alors migrants économiques sur ces termes-là, qu'est-ce que ça dit aussi, Estelle Dallon, de justement du débat politique qui est en train de s'installer d'un point de vue macro en Europe, mais d'un point de vue même presque local sur notre capacité ou pas à faire face collectivement en fait à ces arrivées. Alors la première chose, c'est de partir du fait qu'effectivement cette catégorie de migrants elle a pris une importance beaucoup dans les années 2000 pour ceux qui sont de ma génération, il y a des gens plus jeunes, mais c'est la période où au niveau de la frontière britannique, vous aviez le camp de Sangatte, donc ça parlera à cette génération et aux plus anciennes peut-être davantage qu'aux plus jeunes générations. Et à Sangatte, on a vu ça, des personnes prises dans une forme de transit imposé parce qu'elles ne pouvaient pas parvenir en Angleterre à cause du renforcement de la frontière. Donc, c'est un indicateur de l'évolution d'une politique, comme vous le dites, et d'une politique met l'accent, comme tu le disais Yves, sur une figure de la migration, mais très tronquée en fait, parce que quand on regarde la complexité des migrations, effectivement, ne serait-ce qu'en regardant la question du travail, on s'aperçoit que si on veut aborder la question de la migration aujourd'hui, mettre l'accent sur des questions identitaires, c'est par exemple oublier tout un pan d'analyse que d'autres portent, qui sont autour de ces valeurs d'hospitalité dont on a parlé, qui sont autour du droit qu'on a choisi en tant que démocratie à un moment donné de signer une convention parce que c'était le plus jamais ça de l'après-Seconde Guerre mondiale, qui sont aussi un moment important où on a choisi le regroupement familial parce que c'était une valeur fondamentale, le droit de vivre en famille dans nos démocraties européennes.
Donc, effectivement, il y a des formes d'instrumentalisation et le fait d'englober dans une catégorie contribue finalement à effacer toute l'historicité, j'ai envie de dire, parce que moi, en tant que sociologue, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les pratiques, c'est les trajectoires des personnes, c'est la diversité des parcours. Et donc, on voit comment dans le débat politique, cette figure du sans-papier hein, que tu évoquais vient écraser toutes les autres dimensions du débat, même le débat économique, hein, sachant que ben, précisément, si on regarde comment les choses se jouent aujourd'hui, comme tu dis, c'est 36 métiers, la DARES vient de publier une information, c'est 36 métiers dans lesquels on a une surreprésentation des populations immigrées, donc, et des métiers, on en a beaucoup parlé là au moment du Covid, hein, des métiers dans la santé, les métiers du care, les assistantes maternelles, enfin, les essentiels de tous les jours. Effectivement, c'est un prisme aujourd'hui que d'aborder cette question du côté des politiques de contrôle, de la question de la sécurité. Et je pense qu'effectivement, il est important qu'il y ait des espaces comme ce soir ou comme d'autres où on puisse discuter. Alors, il n'y a jamais assez de temps, hein. C'est un problème, mais où on puisse discuter de certains angles ensemble pour essayer de justement confronter ça à ce qui peut être produit comme recherche en matière économique, historique, politique sur ces questions. Ouais, débunker justement tout ce discours et tous ces amalgames. Vous évoquiez à l'instant le camp de Sangatte. Le camp de Sangatte, donc, dans le nord de la France, était un camp aux normes internationales qui a été démantelé par Nicolas Sarkozy de mémoire, remplacé quelques mois, années plus tard, par une jungle à Calais. La jungle qui a été démantelée il y a 5 ans, après plusieurs tentatives, par le gouvernement de Bernard Cazeneuve, de mémoire. Là, on voit bien que la question de la frontière entre l'Allemagne et l'Angleterre, entre l'Angleterre et la France, pardon, on n'est pas dans Schengen, mais c'est les accords du Touquet, c'est encore particulier, mais elle dit bien, en fait, la dégradation de la notion de solidarité et d'hospitalité. Et là-dedans, il y a donc deux dimensions. Il y a la dimension locale, de la prise en charge en termes de politique publique localement. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans le Calaisis? Qu'est-ce qu'on fait quand on est à Nantes et qu'on a des camps de réfugiés qu'il faut bien prendre en charge, des familles, etc. Et de l'autre, il y a la question de cette politique de l'accueil, de l'hospitalité. En fait, elle pose la question de la solidarité, en fait, entre les villes, mais aussi entre les pays européens. Les accords de Dublin qui régissent pour l'instant et qui n'en finissent pas de vouloir être réformés donne au premier pays d'accueil en fait la responsabilité de la prise en charge, mais à ces deux niveaux finalement cette question-là en fait elle est presque en miroir. Enfin c'est cette question de l'hospitalité, de l'accueil et de la solidarité. Oui. Yves, vous avez 4 heures. Merci. Il faut peut-être préciser aussi que au-delà de mes activités de chercheur et d'observateur de la vie publique, je suis aussi dans la vie publique sur ces questions-là, puisque je suis aussi élu à la ville de Nantes sur ces questions-là. Et donc, l'écho de ce qu'on fait sur les solidarités, c'est assez intéressant, parce que justement, on a, pas nécessairement un reflet, mais en tous les cas, on a très bien compris au niveau de l'Union européenne qu'il y a certains États qui considèrent que c'est le travail des États de première entrée de faire le job. C'est leur travail de contrôler, d'identifier et de savoir si les personnes sont autorisées à intégrer une procédure d'asile, à rentrer ou à être éloignées, grosso modo. Et puis on voit là que la question de la solidarité entre les États membres de l'Union européenne est une question qui se pose, qui n'a pas trouvé d'ailleurs de réponse aujourd'hui, parce que les États sont toujours encalaminés dans des négociations sur qui fait quoi, comment, qui est solidaire et qui est responsable. Non, on sera solidaire quand vous serez responsable. Non, nous, on sera responsable quand vous serez solidaire. Grosso modo, c'est un petit peu le cercle vicieux dans lequel on est. Et derrière tout ça, on a aussi une réplique, mais à un niveau différent, au niveau des villes. Et au niveau des villes, on a une double caractéristique. Au niveau d'une ville, à la limite, la question est relativement simple. La question migratoire n'est pas une question qui relève de la compétence des villes, ça relève de la compétence de l'État. Donc on pourrait se cacher derrière son mouchoir et dire « c'est pas la ville, c'est l'État ». La réalité, c'est que c'est l'État qui organise la question
migratoire, le droit d'entrée et de séjourner, et que la vie des migrants s'effectue ou s'exerce sur les territoires, et donc les villes ne peuvent pas ne pas être conscientes et ne peuvent pas être passives d'une certaine manière. Et la ville de Nantes, depuis de nombreuses années, est une ville qui a démontré un certain volontarisme sur cette question-là. Néanmoins, on voit quand même que les frontières locales sont aussi des frontières qui jouent, parce que lorsque vous avez un squat dans une ville, eh bien la ville voisine se dit « Ah, ben, pas de chance, c'est chez le voisin, c'est pas chez moi ». Et puis le jour, c'est simple, hein, si vous avez un squat à Saint-Herblain, les services de la ville de Nantes et la ville de Nantes disent ben, « c'est à Saint-Herblain, c'est donc à Saint-Herblain de gérer ». Et lorsqu'il y a un squat à Nantes, la ville de Saint-Herblain dit ben, « c'est pas moi, c'est sur le territoire nantais ». Et donc là aussi se pose aussi, pas nécessairement une question de solidarité, parce que les villes interviennent de manière différente sur cette question-là, mais peut-être aussi de prise de conscience générale à l'échelle d'une ville et d'une métropole, de savoir comment est-ce qu'on peut aussi collectivement coopérer pour coordonner un ensemble de réponses avec entre villes, mais aussi avec l'État, parce que l'État a quand même la main sur la compétence et la responsabilité sur cette question-là, et aussi avec l'ensemble des acteurs de la solidarité qui s'exprime sur le territoire. Je répondrai simplement aussi à cette interpellation. Qu'est-ce qu'on fait à Calais ? Mais je pense qu'à Calais, on commence avant tout à féliciter et à remercier les habitants de Calaisie qui ont démontré depuis des décennies aujourd'hui qu'ils ont une capacité à accueillir et une force de résilience et d'accueil qui est quand même assez rare et qu'il faut reconnaître. Et ça, qu'est-ce que ça vous inspire justement, cette question de la capacité finalement d'hospitalité, de solidarité dont ont pu faire preuve en fait les citoyens? On se souvient en 2015 des associations qui se sont créées, mais ad hoc. Enfin, alors, moi je viens de Paris, mais il y avait, parce qu'il y avait des camps en fait en bas de chez eux, les gens se sont organisés en bas de chez eux et ont finalement pallié les lacunes de la prise en charge publique. Qu'est-ce que ça dit justement de ce moment qu'on traverse, Estelle Dalian? Alors, c'est un moment paradoxal, parce qu'on évoquait tout à l'heure toute la question du traitement médiatique, là, dans la campagne électorale autour de la migration qui est plutôt sécuritaire, mais effectivement, ces mouvements de solidarité, ils existent de longue date. Hein, puis, d'ailleurs, 19e, 20e siècle, hein, on pourrait reconstituer l'histoire comme l'ont fait un certain nombre de chercheurs. Et 2015 marque aussi un formidable élan de solidarité. Et ce qui a été intéressant également, enfin, pour regarder un peu dans le monde associatif, les engagements, c'est que des nouveaux engagements se sont produits à ce moment-là. Donc on retrouve bien sûr des engagements de longue date, on retrouve, quand on s'intéresse comme sociologue, des parcours qui sont déjà marqués, parfois par de multiples engagements par ailleurs, par des trajectoires sociales spécifiques, par une socialisation religieuse, politique un peu particulière qui fait que on est là aux côtés de ces exilés qui ne trouvent pas toujours l'accueil que les politiques publiques, en principe, avaient prévu, d'après les textes. Et en même temps, on a eu des nouvelles figures de l'engagement. C'est-à-dire, parfois, on avait du mal à capter les actifs. Et comme il y a eu aussi une formidable inventivité à ce moment-là, dans les modes d'accompagnement des personnes, comme par exemple l'hébergement solidaire, a pris une ampleur beaucoup plus importante. Donc, des gens qui étaient actifs ont pu être hébergeurs solidaires aussi. Donc, et on a eu un élan aussi de solidarité qui dit cette tension qui traverse les sociétés. Enfin, là, ici, on parle des sociétés européennes, parce que parallèlement, quand on regarde les sociétés européennes, les eurobaromètres, etc., ils sont attachés à la liberté de circulation aussi pour beaucoup d'Européens quand on les interroge. Donc, on est dans ce paradoxe où finalement, d'un côté, on va avoir une fermeture des frontières qui fait qu'à Lesbos, on va avoir des personnes qui sont dans des procédures d'encampement avec des atteintes aux droits fondamentaux extrêmement forts. Hein, ces camps se sont pérennisés. C'est important de dire que ces dispositifs transitoires se pérennisent souvent avec des infractions aux droits. Et parallèlement, c'est aussi la libre circulation qui a permis que des personnes sont venues de France, d'Italie, de nombreux pays d'Europe et ont assez vite et ont déployé aussi des élans de solidarité envers ces exilés. Alors, on va passer aux questions, parce que j'en ai déjà plusieurs qui viennent du live YouTube, mais est-ce qu'il y en a dans la salle, qu'on prenne une salve?
Hop. Vous êtes timide. Bon, je vous pose celle de du live en attendant que vous réfléchissiez à vos questions, parce que je vais revenir à vous. À combien est estimé le coût de fonctionnement annuel de l'organisme européen de contrôle migratoire, Frontex? Première question. Entre le réfugié, le migrant économique et un riche retraité prenant une maison en France, quelles sont les grandes catégories migratoires et leurs proportions? Enfin, y a-t-il un rapport national sur les capacités techniques d'accueil en France? Et, ah oui, dernière question, les chercheurs en sociologie, géographie, économie, etc., sont-ils consultés par l'État pour construire la politique migratoire? Allez, on fait une réponse à cette salve-là. Et les autres, vous levez la main. Alors, sur Frontex, j'ai plus les chiffres en tête, donc je tiens à ne pas dire d'erreur, à ne pas faire d'erreur. Je peux juste dire que le budget a augmenté hein, depuis la création de 2004, puis expliquer ce qu'est Frontex, parce que tout le monde ne sait pas forcément ce qu'est Frontex. C'est l'agence européenne qui coordonne les opérations de surveillance aux frontières de l'Union européenne et qui est née en 2004. Donc son budget n'a cessé de croître. Et je pense qu'on peut retrouver assez facilement dans les articles d'Olivier Clochard les évolutions des budgets de Frontex, par exemple. Ensuite, sur la question de... j'arrive pas à lire. Entre le réfugié, le migrant économique et un riche retraité prenant une maison en France, quelles sont les grandes catégories migratoires et leurs proportions? Vas-y, Yves. C'est une question que j'adore, en fait. Non, je vais essayer de répondre. Il y a deux aspects. En fait, grosso modo, on a trois premières catégories. Il y a le national, il y a le citoyen européen et il y a l'étranger, autrement qualifié en droit de l'Union européenne, le ressortissant de pays tiers. Grosso modo, sur l'espace européen, le national et le citoyen européen. Le citoyen européen a des droits privilégiés d'entrée et de séjourner sur le territoire des autres États membres. Et ensuite, il y a la question des ressortissants de pays tiers, des étrangers. Et là, on peut faire deux catégories qui sont différentes de celles qu'on avance généralement entre le migrant économique et le réfugié. Je crois qu'il faut prendre conscience, enfin, il faut prendre conscience, c'est pas du tout comme ça qu'il faut présenter les choses, mais moi, je vois deux catégories. Il y a les migrations dites de droit. Et il y a les migrations dites de faveur. Les migrations dites de droit, ce sont des personnes, des hommes, des femmes, des enfants qui ont le droit de migrer, qui ont le droit d'entrer, de séjourner sur les territoires, notamment de l'Union européenne, parce que les droits fondamentaux, les droits humains leur accordent des droits d'entrée et de séjour. Et c'est principalement deux catégories. La première catégorie, ce sont les membres de la famille au titre du regroupement familial. Et la deuxième catégorie, ce sont ce qu'on appelle les réfugiés ou ceux qui ont besoin d'une protection internationale. Donc ces catégories-là ont en fait un droit qui leur est reconnu, plus ou moins important, mais d'entrée de séjourner sur le territoire de l'Union européenne. Et à côté des migrations dites de droit, on a des migrations dites de faveur, c'est-à-dire que c'est l'État qui conserve la souveraineté pour décider de qui entre, qui séjourne et qui ne séjourne plus sur son territoire, qui va identifier des catégories de personnes, des étudiants, des travailleurs peu qualifiés, moyennement qualifiés, hautement qualifiés, des catégories de personnes, des retraités, des personnes qui ont beaucoup d'argent, à qui l'État va accorder une faveur ou pas d'entrée et de séjourner. Et en fait, je crois que si on prend la grande catégorie des étrangers, ce qui concerne en fait la question de la politique migratoire, eh bien, il y a ces deux catégories, les migrations de droit, ceux qui bénéficient d'un droit et vis-à-vis desquels d'ailleurs les États n'ont pas la possibilité d'établir des quotas, et les migrations dites de faveur où les États ont la possibilité de dire ben, cette année j'accueille 100 000 travailleurs et le 100 000 et unième ne pourra pas rentrer. Quant aux grandes proportions et aux grands volumes, en réalité, si vous prenez la migration internationale qui est de l'ordre de 3,5% de personnes qui sont en situation de migration, c'est à peu près un chiffre équivalent à l'intérieur de l'Union européenne où les citoyens européens sont entre 4-5% de citoyens européens à vivre dans un autre État que celui dans lequel ils sont nés. Entre-temps, parce que je vais vite, Docteur Google m'a dit que Frontex c'était 544 millions de budget en 2021. Pour que vous ayez une idée de l'enveloppe du budget européen global, 2022, l'Union européenne est dotée de 169 milliards d'euros de budget. Voilà. Et Frontex, c'est donc une augmentation du budget
depuis 2 ou 3 ans facile. Est-ce qu'il y a un rapport national sur les capacités techniques d'accueil en France et les chercheurs sont-ils consultés par l'État pour construire la politique migratoire ? Alors, sur, en gros, est-ce qu'il y a des rapports ? Parce que je ne dirais pas un rapport, voilà, il y a aussi de multiples sources. Vous avez l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui produit son rapport d'activité. Après, la complexité, je pense, pour les citoyens qui ne travaillent pas dans ce domaine-là, qui voilà, sont aux prises avec de multiples catégories juridiques, c'est de se repérer dans ces rapports. Parce que, je vais prendre ce que je connais mieux, quand on regarde le dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile, ne serait-ce que pour ce seul dispositif, toute l'évolution des politiques depuis les années 2000, c'est que les endroits où on accueille, pour le dire simplement, les demandeurs d'asile, donc qui sont une catégorie parmi d'autres, ils se sont démultipliés. On va avoir des hébergements d'urgence qu'on appelle UDA, on va avoir les traditionnels centres d'accueil pour demandeurs d'asile, on va avoir des PRADA, voilà, on a eu une démultiplication des catégories. D'ailleurs, actuellement, le mouvement est plutôt d'essayer de voilà, resserrer sur quelques dispositifs, parce que, y compris pour les personnes qui travaillaient auprès des demandeurs d'asile, ça devenait extrêmement complexe de se repérer. Donc, il y a des rapports, il faut aller sur l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour comprendre comment est attribué le statut de réfugié, l'OFPRA, Office français de protection des réfugiés et des apatrides, publie annuellement des rapports. Donc, on a des données, mais après, c'est toute la question d'expliquer le contenu de ces rapports. Est-ce que les chercheurs... Alors, ce n'est pas une réponse en oui-non. Moi, je ne veux pas faire une réponse binaire en disant qu'ils ne seront totalement pas écoutés. Il y a des financements de recherche qui font qu'on a parfois des interlocuteurs avec lesquels on est en dialogue, notamment à l'échelle locale voilà, ou régionale. Mais beaucoup, j'ai envie de dire, des résultats qui sont produits depuis des décennies par de nombreux économistes, politistes, historiens, semblent peu, parfois, pris en compte. Mais voilà, ne pas être manichéen, parce qu'on a aussi des interlocuteurs. Oui, il y a des financements. Voilà. Ça dépend où on regarde, dans quel ministère, avec qui on... Enfin, voilà, c'est... Yves. Ouais, sur cette dernière question, est-ce que les chercheurs sont consultés par l'État pour construire la politique migratoire ? Oui, en fait, on est plein de chercheurs, Estelle le disait, au niveau local, régional, national. Hein, il y a plein de chercheurs qui sont auditionnés par l'Assemblée nationale, par le Sénat, par d'autres organisations. Et j'aurais tendance à dire non, parce que... Et on est aussi consulté par des partis politiques qui nous posent des questions. Alors, ça passe comment ? Qu'est-ce que vous avez comme idée, etc. Et je dirais non, parce que telle que la question est formulée est intéressante, c'est pour construire la politique migratoire. Or, je suis au regret de considérer, moi, aujourd'hui, que nous n'avons plus de politique migratoire. On a eu un premier élément de politique migratoire en 1945 avec l'ordonnance de 1945 qui posait un cadre global d'une politique migratoire de l'entrée jusqu'à l'intégration. Et depuis le milieu des années 70 et surtout 80, on a eu un empilement de textes qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on n'a plus de boussole et on n'a plus de politique en tant que telle. On a des lois qui sont adoptées de manière régulière, qui vont venir modifier des aspects procéduraux, des aspects ou des éléments de fond sur tel et tel point de la politique migratoire, mais la question de la politique migratoire en tant que telle, elle a totalement, elle échappe en fait au débat public et à l'espace public, tant et si bien, je terminerai par là, c'est que je vous invite d'ailleurs à regarder les professions de foi des futurs candidats aux élections présidentielles. La question migratoire, généralement, fait 2 voire 3 paragraphes, et on prend une tête d'épingle d'une politique globale en disant on va changer ça, on va changer Dublin, on va changer tel élément. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de formalisation d'une politique sur ce à quoi peut correspondre une politique migratoire, justement sur le long terme aussi, et dans un cadre européen, tout ça est en réalité totalement absent du logiciel politique en tant que tel et du débat. J'entends effectivement que, du coup, pour repenser une politique migratoire, il faut aussi avoir une vision systémique qui va du local au global. Merci à tous les deux. Merci Estelle Hennen. Merci Yves Pascoe. Merci beaucoup. Et là, il me reste 19 secondes pour conclure. Donc pour conclure, je vous dis merci à tous.
Merci à tous nos intervenants. Merci à vous d'avoir été aussi nombreux et d'avoir aussi participé. Merci aux partenaires. Hein. Donc, l'événement, je vous le rappelle, a été organisé par Nantes Université en partenariat avec Stéréolux, cofinancé par le Fonds européen FEDER, la région des Pays de Loire, Nantes Métropole et la ville de Nantes. C'est pas fini! Le live se poursuit dans quelques minutes avec une conférence décalée. Et ici, à Stéréolux, rendez-vous dans 30 minutes pour le spectacle. Et il me reste... Non, j'ai dépassé. Désolée. Merci à tous. À très bientôt.